Et du coup aussi, bonjour YouTube, parce que on va essayer de mettre ces vidéos sur YouTube. L'idée, ce sera donc New Save Isaac, comme je disais. On va faire que du hard, je pense. Et du grid, pour débloquer grid IA. Sachant que sur ma save principale, j'ai jamais débloqué grid IA. Plus par manque de temps, parce qu'on va dire que je joue principalement quand même en mode standard. Ok. Donc là, on va voir tout ce qu'on va débloquer. On va essayer d'aller le plus loin possible. Donc Isaac, c'est un jeu avec des runs. Donc là, il y a un rocher marqué. L'idée, c'est qu'on doit finir le jeu plusieurs fois et avec plusieurs personnages. Chaque partie est unique. Les agencements des salles, le contenu des salles. Premier étage. Donc à chaque étage, il y a toujours un shop et une item room. Donc l'item room c'est ce que vous voyez en bas en jaune et le shop c'est ce que vous voyez en bas à droite avec du coup la porte un peu plus foncée. Hop. Donc là on a trois vignes, c'est le perso de base donc Isaac. Ok, donc ça à chaque fois que je prends une pilule et que je l'utilise ça me donne, ah merde, un effet. On va perdre un point de vie pour choper ça. Ça va me donner un effet aléatoire. Et les pilules, c'est les mêmes pour la run actuelle. Par contre, pour la prochaine run, si par exemple je récupère cette pilule, ce sera pas forcément le même effet. A l'inverse des cartes, qu'on verra sans doute dans cette run, j'espère, qui eux ont des effets fixes, quelle que soit la run. Donc c'est ça la différence, c'est que les pilules, faut les piffer une fois pour savoir ce qu'elles font dans la run. Là où les cartes, ça va plus être de... Ah merde, je suis... De la connaissance. Mais... Atroce. En vrai, je vais aller choper ça. Je vais pas le prendre. L'idée, c'est que... Premier étage, il y a rien de spécial. Mais deuxième étage, il y a... L'arrivée des Devil Dean. Donc les Devil Deals c'est quoi? C'est chaque fois que on fait un étage sans être touché dans nos cœurs rouges, on a des chances de Devil Deal, sachant qu'au deuxième étage c'est toujours 100% de chance de Devil Deal. Si on se fait pas toucher. Et après on a potentiellement donc... je vais mourir comme une merde. Après on a potentiellement des... En vrai j'ai piffé la pilule. Yeah. On a potentiellement après donc des God Room. Et la différence c'est que les Devil Deal ça coûte de la vie et les God Room non. Oh coup de balle. Oui, elle stoppe les balles. Donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai plutôt un bon stuff de départ je pense. Même si j'ai perdu beaucoup de vie. Sur pas grand chose en plus. Bon lui par contre c'est un des boss c'est plus chiant. Pas forcément le plus compliqué mais c'est vraiment chiant quand il se met à foncer. Ok c'est bon. Comment ça se fait que j'ai autant de cœurs qui tombent? Ça c'est... Beaucoup de chance hein. Bon. HP up, ok. Donc j'arrive à 4 HP. Et donc la différence, ce qu'on va voir juste après, que je vais récupérer le... Le cœur gris. Cœur gris en fait, ou bleu, on va dire cœur bleu, tout le monde appelle ça cœur bleu. Cœur bleu, ah j'aurais dû aller dans la petite salle en bas à gauche. J'aurais perdu un HP mais ça m'aurait enlevé un HP sur mes cœurs rouges, ce qui est mieux. Parce que là si j'y vais en fait je perds mon cœur bleu. Et donc là l'idée c'est de ne pas perdre plus de 1 de vie sur l'étage. Pour aller choper donc un potentiel Devil Deal. Ok. Donc là on voit j'ai vraiment un bon... Normalement... Putain. Trop greedy. Hein. Ok. Mais... Bon bah faut déjà plus que je me fasse toucher. La salle des enfers. Hein. C'est pas forcément compliqué en plus, c'est juste... Ça demande de la patience tout le temps. Ok. Bon ça j'en veux pas. J'ai plus de bombes. Donc à partir de maintenant, les shops et les items room,
Il faut une clé pour entrer dedans. Ok, normalement lui ça va. C'est Bomberman. Donc c'est ok. Sauf s'il me fonce dessus. Mais grosso modo, c'est plutôt un boss simple. Un mini boss simple. Donc c'est un des péchés capitaux. Je pense que c'est le plus simple des péchés capitaux. Ok, donc ça c'est une carte. Donc la carte, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va tuer tout le monde dans la salle. Ou en tout cas faire des effets de zone à tous les monstres dans la salle. Ok, bon, je vais récupérer. Ok, cœur, bombe. Ok. Le truc c'est qu'il est sur des pics. Un peu compliqué. Peut-être je peux utiliser mes bombes pour le décaler. On va voir. Ok, j'ai pas mal de bombes, donc on peut tenter ça. Ok. Pourquoi j'ai débloqué Lazarus? Je sais pas trop. Bah j'ai plus de clé de toute façon. Ok. Donc là normalement c'est le début du jeu, nouvelle save, donc on va débloquer beaucoup de choses très vite. Beaucoup de trucs à faire dans le jeu. Et après ça va se corser vraiment. Je vais essayer de garder mon def. Cette salle-là, il y a pas mal d'ennemis, mais elle est pas forcément dangereuse. J'ai beaucoup d'HP. Je vais faire le boss pour être sûr d'avoir mon Devil Deal. Que je vais prendre. Donc, si je rentre pas dans le Devil Deal, j'ai 100% de chance que la prochaine room après un boss que j'ai. Ce soit un Angel Room, donc ça coûte pas de cœur, mais en vrai j'ai 4 HP, beaucoup de protection. Ok, c'est pas forcément le boss le plus dur. Je crois même que ça fait partie des plus simples du jeu, dans cette forme-là en tout cas. En plus, j'ai l'anti... J'ai la tourelle anti-tir, donc ça c'est plutôt cool. J'ai le son un peu fort, faut que je descende le son. Hop hop hop. Hop hop hop. Ok, donc dès maintenant. Ok. Ok. Mini brimstone. Et ça, je sais plus ce que ça fait. On va prendre de toute façon. J'ai pas mal d'HP. Après, les HP sur des erreurs, ça peut descendre très vite. J'avais oublié. Donc, très pratique. Oula! Voilà, ça. Ok. Il y a les salles secrètes aussi. Donc c'est des salles qui sont pas indiquées sur la carte. Plus complexes à obtenir. Faut des bombes pour entrer dedans. Je pense qu'elle est soit ici. Donc elle peut pas être ici parce qu'il y a un bloc en haut. Donc elle devrait être ici, je pense. Non, ok. J'ai pas regardé en bas, merde. C'est ma faute. Elle pouvait être là, elle pouvait être là. Ok. Donc pas ici parce qu'il y a un bloc. Bon, elle est forcément ici du coup. Je vais garder ma clé pour l'étage en dessous. Ok. Donc là, le petit cœur blanc, quand je changeais d'étage, ça m'a ajouté un de vie. Sauf si... Non, j'ai dit que je le gardais. Bon, tant pis. Speed up, ok. Donc sauf si je suis touché dans mes cœurs rouges et ça protège mon cœur rouge. Donc là c'est bon, j'ai un HP en plus.
Ok. Allons-y. Lui est déjà un peu plus chiant. J'ai de la chance d'avoir pas mal de vitesse. Du coup, il peut pas me rattraper. Mais bon, quand il te court dessus vraiment et que t'as pas énormément de vitesse, tu perds vite des HP sur lui. Ok, faut pas leur taper dessus. Sinon, ils se lèvent pas. J'essaie de me mettre à côté pour garder le brimstone activé. Donc, brimstone, c'est tout ce qui fait des tirs comme ça, un peu rouges, qui traversent tout, si on regarde. J'ai toujours mon def, c'est vrai. Si je peux le garder le plus longtemps possible, ça m'arrange. J'ai gardé ma clé pour le. Okay. J'ai deux. Il faudrait trois bébés pour avoir un conjoin. Donc conjoin, en gros, quand on a certains passifs d'affilée, enfin en même temps. Ou certains items, on obtient des bonus supplémentaires. Donc là, c'est le cas de des bébés. Quand on en a 3, on a conjoin. Je crois que ça fait. Si j'ai pas de bêtises, ça fait tirer. Ah merde, je sais pas. 3 tirs, je sais plus. J'hésite déjà. Nice. Et j'ai dit faut que je baisse le son un peu. Beaucoup de coffres? Ah mais c'est peut-être ça Gulpy Tail. Ah c'est même sans doute ça. Bon. Hop. Sachant qu'il y en a un aussi qui fait que t'as plus de coffres rouges. J'aimerais bien quand même trouver des clés. Ça pourrait être sympa. Pareil, à gauche, vous pouvez voir les stats de mon perso, donc elles évoluent en fonction des objets qu'on trouve. Certains effets aussi, etc. Ok, donc j'avais 33% de chance. Little Buggy, ok. Toc, toc, toc. J'ai pas de clé, j'ai 3 bombes. On va chercher la salle secrète. Ça m'arrangerait qu'elle soit en bas, bon, elle est pas là. J'ai une clé là, mais bon. Ok. On va quand même regarder tout. Ça peut être à droite. Ça peut être en haut. J'ai pas regardé la salle des objets si c'était possible que ce soit en haut. En général, c'est des salles où il n'y a pas trop de blocs. Tiens. Change room. Ok, ça peut être cool. Ok, et ça c'est une salle, faut aller se planter plusieurs fois au milieu pour réussir à récupérer des bonus. Je pourrais la faire, mais je pense pas que ce soit forcément cool. Plutôt que de voir celui-là, on va déjà aller vérifier. Ce qu'on peut ouvrir. Là à gauche. Là en haut, c'est possible. Et là en bas, c'est possible. Ok. Bon, 7, ça vaut pas le coup d'aller ouvrir le shop. Ça, je peux quand même aller choper, peut-être. J'ai failli faire de la merde.
Ok, bon, là, non, ça vaut toujours pas le coup. Les objets, c'est intéressant, c'est à peu près 15 gold. Après, on peut trouver d'autres trucs cool, mais. Il y a la super secrète. Donc, la secrète, elle est collée à peu près le maximum de salles. C'est pas toujours précisément le cas, mais c'est souvent le cas. Et la salle secrète, par contre, elle peut être collée qu'à une seule salle et une salle standard, pas. Genre pas une salle d'objets, pas une salle de. Je pense pas de channel room, pas. Donc voilà, c'est pour ça que. Et en général, proche du boss. J'ai deux clés? Attends, mais j'ai un coffre en haut. Pourquoi je l'ai pas pris? En plus, c'est à la sortie de la salle secrète. Comment je suis passé à côté et je l'ai pas ouvert? Ok. Ok, une clé. Bon, ça peut valoir le coup en vrai. Après, c'est vrai que c'est le début de jeu. J'ai pas grand-chose. Je vais donner la machine dedans. Histoire de la bourrer un peu. Voilà. L'idée, c'est que plus on améliore la machine, plus on débloque des choses dans le jeu. C'est un des moyens, on va dire, les plus simples d'obtenir du contenu. On va voir ça. Si je me fais pas toucher, ça aura valu le coup, sinon je sais pas forcément voir. Bon après, c'est vrai que j'ai l'anti-tir, j'ai pas trop besoin de me poser des questions dans la game actuelle. Y a encore un. C'est quoi ça, ça me fait tirer en. Ça augmente ma range? Je sais plus ce qu'il fait lui. Quoi, je vais le lâcher pour voir quel stat ça a augmenté précisément. Rien, je sais pas ce qu'il fait du coup. Donc les trinkets, on peut en avoir une seule. On peut aussi avoir un objectivable. Et voilà, je pense on aura à peu près tout vu déjà. Après, il y a des spécificités sur certaines choses, mais. Donc là, cette trinket, il doit avoir un effet, mais je sais pas précisément c'est quoi. Ok, un mendiant, faut que je lui donne des bombes. Vaut mieux essayer de détruire les caca et un peu tout ce qui est possible. Ça donne souvent des choses. On va faire ça. Un de vie pour aller ouvrir un coffre, pas forcément idéal. Et aussi le jeu se corse au fur et à mesure qu'on y joue. On débloque des niveaux spéciaux plus durs. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir des runs plus simples que. Sur mon autre peut-être parce que j'ai pas encore débloqué beaucoup de monstres. J'ai que des monstres standards là. Et après bam ça reste un peu un calvaire. On n'a pas un build ouf. Ok. Continue de bloquer des choses. Je peux aller chercher le gulping. Donc là j'ai 9 vies, mais j'en ai perdu 2 malheureusement. Sachant que gulping, le truc qui nous donne 9 vies, nous ramène forcément à 1 HP rouge. Mais c'est pour ça, en prenant le pentagramme avant, j'ai pas l'effet qui m'emmène un seul cœur rouge, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et parce que j'ai beaucoup beaucoup de cœur bleu. Est-ce que je pique? Wall of Steel. Donc ça m'a rajouté 2 ou 3 cœurs bleus. Pour le moment, là, j'ai eu de la chance, j'ai eu que des pilules positives. Je vais
Je pense arrêter de les piffer parce que. De ce que je sais, maintenant il y a un certain nombre de pilules positives et un certain nombre de pilules négatives par game. De façon à peu près assurée. Yes, yes. Donc plus j'ai de pilules positives, plus j'ai de chances que les pilules que je connaisse pas soient négatives. Évidemment, il y a certains objets qui changent ça. Ok. Donc là, faut être à 1 de vie. Mais... Oui, j'ai pas besoin. Arcade, bon, on va pas trop. Non, j'ai pas vu le. Bob's Brain. C'est trop fort, mais. Il y a un côté un peu risqué. Ok. Ça, c'est des bombes. Let's go. Ah merde. Allez, protège-moi. Salle des enfers. Ok, bon ça va, il y a un coffre maudit au milieu. Alors, en haut, on peut pas donc y avoir de secrète ici. Donc, pas de secrète ici. Je pense qu'elle doit être à côté du shop. C'est possible. C'est possible. Ok. Je continue de donner en vrai. Ok. Donc là, on a amélioré le store, donc. Normalement, j'aurai des plus de d'objets qui sont proposés. Je crois 3. Et donc l'idée, c'est d'amener la machine à 999, sachant que c'est quand même assez long à faire. Évidemment, si on donne de l'argent, ça veut dire que... On a des runs un peu plus faibles vu que on n'utilise pas l'argent. Après tout ça c'est évidemment faut faire à gaffe. Quand on a des runs où on est fort on donne de l'argent. Quand il y a des runs où on est faible, on peut bomber la machine. Et du coup tant qu'on n'est pas à 999 on va éviter de bomber la machine. Ok. Je sais pas trop ce que ça fait. Ah oui, j'ai pas vu, mais on n'a pas le mapping, donc y a des possibilités de curse à chaque étage. Pas voir la map, pas voir les objets qu'on nous propose. Et là, voilà, j'ai déjà plus de vie. Quelle horreur. J'ai pas le choix. Dans le doute. J'ai peut-être pas suffisamment regardé les rochers marqués. Quelle salle. Oh, ça va. Je pense que je me suis bien sorti pour le coup. Ça, je crois que c'est. Je sais plus. C'est un truc sur quand je me prends des dégâts, il me semble. C'est pas forcément l'idéal. The Devil. Ah, ok. Bon, il faudrait que je trouve quand même ma salle d'objets, ça serait utile. Ah merde, j'ai pas changé. Ok. Ah
Ah merde, j'ai peur. Je pensais y être déjà allé. Ouais, boss brun qui m'a fait quand même pas mal de dégâts. Faudrait que je fasse un peu plus gaffe. Après, j'ai mes 9 vies, mais bon, ça sera pas suffisant. Okay. Après, c'est bien, il explose les crânes. Ça me donne pas vraiment de cœur bleu, malheureusement. Ah merde, j'ai pas vu le sang. J'étais devant. Bon, dommage. Je pense que la run est morte. Ah, Conjoin, enfin. Donc c'est bien ça, je tire dans trois directions. Ah oui, ok. Donc Mom, ça va être assez dur, je pense. On va voir. Ouais, bon, de toute façon, je suis obligé de prendre le cœur éternel. C'est le dernier étage pour le moment. Je sais plus, faut des... je crois qu'il faut tuer 10 fois maman pour débloquer les étages d'après. Mais j'ai un doute, ça m'a l'air beaucoup. Mais je crois que en général, la plupart des unlocks c'est 10. Faut le shop maintenant, ça pourrait être intéressant. Oh bah cool. Merci monsieur. Oh merde. J'espère qu'il y a des cœurs là-dedans. Des petits cœurs bleus. Ok, un cœur bleu. Cool. La bombe... pas ouf. Ça fait exploser mes tirs, quoique j'en ai beaucoup. Pourquoi pas, hein. Ça fait ça, du coup. Ok, c'est honorable, en vrai. Après, c'est un peu long à se recharger, mais c'est honorable. Ah, j'ai pas vu. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je... Ah non. On peut aussi bomber les portes du coup. Et ça nous permet de partir vite. Ok. Donc là c'est juste un... un bouton. Judgment. Non. Bon, ok. Je sais pas, ma carte, j'en ai fait quoi? Je sais pas ce que j'ai fait de ma carte. Bon. Ah non mais c'est pas Mom là. Ok, c'est bon. Je croyais qu'on était déjà à Mom. Oups. Après, j'aime pas trop ce boss, honnêtement. Mais là, ça va, c'est la version gentille. Et j'ai ma mouche qui est assez utile. Ok, ça c'est des dégâts. Donc c'est plutôt bon. Ça c'est pas... pas ouf, c'est un peu un objet quand on a beaucoup beaucoup de vie. Ça nous ramène toujours à 0 cœur, et suivant le nombre de cœurs qu'on perd, à chaque étage on arrive à 0 cœur, et suivant le nombre de cœurs qu'on perd, on gagne de la vitesse d'attaque et des dégâts. Donc là, je perdrai mon cœur, j'arriverai à 1 cœur à l'étage d'après. Ça me donnerait pas beaucoup de dégâts, pas beaucoup de vitesse d'attaque, et ce serait un peu risqué, parce que ça me ramène qu'à 3 cœurs. Alors que là, je passe à 4 cœurs, du coup. Ok. Et j'ai à nouveau le mapping. Donc ça, c'est cool. Ok. Je pourrais aller chercher mon objet. Je sais pas si... oui, à la fin, je regagne quand même... Oh nice. Ça met plutôt bien. Donc en vrai, à tous les états... à toutes les salles, faut que j'utilise mon objet. Ok.
bien. Une salle de dés. Je sais plus c'est quoi, 5. Je connais pas les salles de dés, honnêtement. 5, c'est on recommence cette tâche. Ok, bon, j'aurais dû attendre. Mais il a fallu que je regarde le wiki à droite. On va essayer dans un premier temps de faire 100, mais... C'est vrai que j'aurais dû regarder en vrai. Et merde. Okay. Bien. Ok, donc là c'est mom. On va prendre ça, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Je vais mettre un jugement de... Ah, mais attends, c'est un jugement de clé là que j'ai eu. Ah, c'est incroyable ça par contre. Ah merde, par contre, j'ai plus de clé pour mon item. J'ai pas fait gaffe. Bon, on va bomber ça en vrai. Sait-on jamais. The Moon. Ça la ramène à la salle secrète, donc on va le faire. The Moon. J'ai dit que je testerai pas, mais en vrai, allons-y. Ouais, j'ai vraiment eu que de la chance sur cette run. Vraiment, vraiment, un point exceptionnel. Bon, par contre, il me manque toujours mon item room. Avec si possible une clé quelque part. Ok, elle arrive. Cool. Donc là. Oh, parfait, le jeu m'entend. Je suis béni. Ah, par contre, ça c'est de la merde. Ah, quoique. Oui, ça c'est l'explosion. Je pensais que c'était une téléportation. C'est en fait, je sélectionne un endroit sur la carte et ça fait une explosion à cet endroit-là. Après, c'est 2. Je pense quand même que ça c'est plus fort. Ok, bon, malheureusement, pas de clé. Je vais pouvoir partir à la recherche de la salle secrète. Ok. Et boum. Balayage. Bob of Steel. Donc là, pareil. Bénéf. Bon, j'ai toujours pas de clé, donc on va pas. On peut tenter ça. Ok. Ok. Donc là, quand je pose des bombes, ça peut me donner des objets. Comme ça peut ne rien me donner. Hein. J'ai déjà trouvé le boss. Ouais. Ah merde. Attends. Ah oui, c'est ça. C'est le. Donc, ça, le Gemini qu'on voit sur moi, c'est le. L'objet que j'ai en bas à gauche. Le cordon. Ça, c'est un HP up, je crois. Ok, c'est cool. Testons ça.
Ah dommage, je vais quand même la tester. Okay. Oh! Alors ça par contre je dis oui. Infested, donc je vais avoir deux. Ah, j'en ai qu'une seule. Donc là je sais que c'est pas à gauche. Parce que j'ai testé de l'autre côté. Donc on a dit en général, au niveau de la salle de boss, il y a la secret room. L'hyper secrète, pardon. La super secrète. Ok, je vais tester ça. Tempérance. Donc ça me donne un truc. Ah mais j'ai déjà la secrète. Alors j'avais dit, j'ai celui-ci à ouvrir. Ok, parfait. Ah, tempérance, là, je vais pouvoir l'utiliser. En gros, tempérance, c'est une machine de dons. Dans laquelle donc je peux donner mes cœurs rouges et ça prend que mes cœurs rouges sauf quand j'ai plus de vie donc ça c'est plutôt cool. Après j'ai un petit démon là en bas que je peux voir aussi sauf que si je fais ça je crois que ça va être compliqué ouais. Bon on va pas le faire en vrai. On va pas prendre le risque. Je suis un petit joueur. Allons-y. Après, on va aller voir le bonhomme. Ok, donc c'est en bas qu'il faut que je la mette. Ah. Merde, je vais être super erreur. J'ai pas fait exprès. J'ai pas regardé ça. Ça la cancel, je crois, en plus. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Je vais chercher mon cœur et après on va aller voir le bonhomme des clés. Et tout lui donner. Et. Oui, le bonhomme des bombes, j'ai déjà fini. Et ici, j'ai pas de bonhomme d'argent. J'en ai encore ici. Dommage. Bon, on va tout donner. Sachant qu'elle peut se bloquer aussi. Je sais plus combien c'est de pourcentage de chance à chaque clé. À chaque fois. À chaque clé. À chaque pièce qu'on donne. Ouais. Ah oui, quand j'utilise ça chez Mom. Après là ça se passe plutôt bien. Elle est où même? Heureusement que j'ai aussi ma. Ok, première fin du jeu. Donc ça c'est plutôt cool. On n'a pas le son. Ouais, je sais pas pourquoi ça bug dans le truc principal. J'ai jamais eu le son du. Quand je lance le jeu, j'ai pas le son non plus. Je sais pas pourquoi. Ok. Bon, on a beaucoup de challenges. Et on a fait apparaître pas mal de trucs. Donc si on regarde. Dans les stats, on est à 21 secrets en game. Ce qui est plutôt ok, je trouve. On va s'arrêter là en vrai, on va faire une petite pause et on reprendra un peu après, mais sur du LOL du coup.